Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, avant de commencer, l'affirmation positive pour cette journée, je m'autorise à rêver en grand, mais oui, bien sûr, je m'autorise à rêver en grand, je m'autorise à rêver en grand. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé attraction, je suis un aimant puissant. Et l'attraction, eh bien, c'est aussi, on peut l'appeler aussi la loi de cause à effet, n'est-ce pas? Ça peut être aussi une transformation, les vibrations, les ondes, les fréquences. Pour certains d'entre vous, qu'attirez-vous dans votre vie aujourd'hui? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous attirez dans votre vie? Est-ce que vous êtes pleinement satisfait? La loi d'attraction, eh bien, est une loi universelle, n'est-ce pas? Qui agit tout le temps. Que vous en soyez conscient ou pas, elle est là. On l'appelle aussi la loi de cause à effet, ou encore la loi d'amour. Eh bien, grâce ou à cause, n'est-ce pas, de vos pensées et émotions, vous avez attiré dans votre vie toutes les choses qui s'y trouvent et auxquelles vous avez accordé votre attention, votre énergie. Alors vous, et tous les êtres humains, n'est-ce pas, est un aimant puissant qui attire les personnes et les situations qui correspondent à vos pensées, à vos émotions et à vos croyances, qui sont des ondes, des vibrations que vous envoyez dans l'univers. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ben vous allez attirer à vous des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Ça, c'est la loi cause à effet. Chaque personne, n'est-ce pas, vibre sur une fréquence unique qui lui appartient. Et elle attirera ainsi des situations également uniques qui lui sont propres, qui sont en résonance avec les pensées qui sont dominantes chez elle. Alors, si vous voulez changer votre vie, eh bien, il faut changer vos pensées, il faut changer vos émotions, vos croyances et vos actions. Je vous invite à examiner de près vos pensées et émotions quotidiennes. Est-ce qu'elles sont plutôt positives ou plutôt négatives ? Encore une fois, vous le savez, vous qui me suivez, le positif, vous attirez le positif, le négatif, vous attirez le négatif. Est-ce que vos pensées, vos émotions sont positives, sont négatives quotidiennement? Bonne question, n'est-ce pas? Alors, si c'est négatif, transformez votre comportement, vos habitudes et vos croyances. Et c'est ainsi que vous transformerez votre vie pour le meilleur. Mettez tout ça en exécution, mettez de l'amour dans vos pensées. Aujourd'hui, eh bien, décidez d'être positif et d'attirer du positif dans votre vie, même si vous vivez une période difficile. Soyez positif, parce que ce n'est pas en étant négatif que vous allez changer le schmilblick. Par contre, en étant positif, vous allez attirer à vous le positif. Vous envoyez à l'univers du positif et l'univers va vous envoyer du positif. Les quelques affirmations positives pour aujourd'hui, je deviens ce que je pense, bien sûr. Vous devenez ce que vous pensez. Je suis ce que je pense. J'attire dans ma vie
ce que je désire. Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui dans votre vie? Pensez-y positivement. Mes pensées se matérialisent rapidement et je récolte ce que je sème. Je me concentre sur ce que je veux et je l'obtiens facilement. La loi d'attraction, la loi de cause à effet, la loi d'amour. On termine avec un très très beau message, je trouve. Je termine avec ne plus se mettre en colère. Alors, lorsque la colère monte, je fais le calme en moi. Tous les moyens sont bons pour y arriver. La respiration est le plus simple et le plus efficace. Inspirer, sentir le souffle, entrer en soi pour y créer un espace bleu et serein dans lequel on peut se réfugier pour échapper à la colère. Et bien voilà, l'inspiration, l'expiration, lorsqu'on est en colère, ça permet de tempériser. Et oui, tout est dans la respiration. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, un magnifique week-end dans l'amour inconditionnel. Prenez soin de vous dans la douceur, prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, c'est important. La vie est tellement faite d'embûches qu'il faut aimer les personnes et leur montrer, les personnes qu'on aime, leur dire et prendre soin d'eux, c'est important. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis, d'ici là, moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.